Mettez une zone en deux disponible, capitaine, pour le SWAT. Comme on est 6, on sera 3 par véhicule. Ah, T'inquiète. 74, je vais terminer, je vais sortir les véhicules. Ouais, bah j'ai fini du coup. Je te fais ma assiette maintenant. Juste, les officiers qui ne font pas partie du SWAT enlèvent leur masque. Et les casques lourds aussi. Ouais. Bah, vos grades. Et matricule. 51. 17. Officier. Officier 17. Ok, vous étiez censé pas trop équiper. X-ray. Avec 02. 47. 02. Il est en face de vous. Allez, on y va. Ça va le matériel. Ça se fait pas chier. X-ray 68, départ en patrouille. Ah ouais, ça se fait vraiment pas chier. Hein. Ah ouais, ça se fait pas chier, ouais. Ah ouais, c'est. Ah bon. Comparé à la dernière fois, c'est. Ouais, c'est le strict minimum. C'est du. Attendez. Capitaine, on prend lequel nous? Bon, on va prendre les auto-chenilles. Allez, hop. Un qui se fait un petit kiff derrière. Bah vas-y, 51, je te sens. Il est chaud. Faut qu'on aille changer de tenue. Ouais, t'inquiète. Qui, putain. Ah. Oui. Ah, ok. Comment ça va? Bien, et vous? Super. Vache. C'est. Ah, bah rien. Ça fait un peu flipper toute cette. Donc, en normal, fait, pour là... vous expliquer. Pour vous expliquer. Monsieur. Du coup, collègues et vous, monsieur, on est en DEFCON 1, donc on a le droit de fouiller et consulter des personnes qui ont une identité que ça. Donc, ça vous dérange si on fait un contrôle? Ok, d'accord. Merci. Mon collègue va s'occuper de ça, je vais parler avec votre collègue. Voilà, on va procéder à un contrôle d'identité et puis une palpation. Hein. Okay. Je vais vous demander votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Non. Ok, monsieur Topher Kironski. Voilà. Ça oui. 15 pour 274. Ok, très bien. Ouais, j'écoute. Est-ce qu'il y aurait un moyen de ravoir un véhicule comme vous aviez sorti tout à l'heure pour le SWAT? Je vais procéder à une fouille, s'il vous plaît, monsieur. Vous pouvez vous retourner, que je vous fouille correctement. Ouais, là, je fais un 17 dans 3 minutes. Merci beaucoup. Ah, ok, ben si c'est dans 3 minutes, moi je crois que. Vous avez rien à déclarer sur vous? Ça servira. Non, non. Ah, ok, 17. Ok, très bien. Merci, monsieur. Vous pouvez baisser les bras. Toutes les unités. Nous avons 02 qui prend une fin de service et nous nous retrouvons 51 et 17 que tous les deux. Que faisons-nous? Bah bon, on peut y aller. Allez, let's go. Bonjour Bonjour monsieur. Comment vous arrivez un peu vite hein? Ah pas du tout, je roulais à 30. Ah d'accord. Bon. On va bien et vous? Vous allez bien? Oui. Ouais moi ça va. Y'a rien qui s'est passé, des choses bizarres ce soir? Ici non, rien pour le moment. Y'a des clients qui sont venus pour leur véhicule mais c'est tout. Ouais. Ok très bien. Je vais procéder à une demande de pièce d'identité s'il vous plaît, une fouille. Oui, pas de problème. Hey. Je vais commencer par vous s'il vous plaît. Pièce d'identité. Vous pouvez vous retourner s'il vous plaît, levez les mains, je vais oui, procéder à une pas petite de fouille de votre sein, tout ça. On a 14. Je sais, il y a très beaucoup bien, de choses monsieur. Qui servent à rien. Ouais, effectivement, vous avez une oui, citrouille, j'ai cru voir dans votre sac, mais ouais, tranquille. Bah, j'aime bien avoir plein de choses qui servent à rien. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne continuation, messieurs. Merci bonne beaucoup de journée à votre vous, coopération. À vous aussi. Y a pas de au revoir.
Je crois qu'ils flippent leur race quand on arrive comme ça avec les surgents là. Ouais, là ils sont en mode flip là. Là ils nous respectent là. Ouais, c'est sûr. Ils ont pas trop le choix hein. Ah bah là c'est clair. Bordel. Sinon ils prennent un coup de 120 dans la gueule. Hein. Sandra 1754 faisant un 19 avec l'interpellé. Wow, parlez un petit peu moins vite, hein, puisqu'on a coupé la moitié là. Faisons un 19 avec l'interpellé. Ah, bien reçu. On se le fait, hein. On se le fait. Monsieur, garez-vous sur le parking, s'il vous plaît. Ouais, pas de soucis. Les Speedy, monsieur, bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ouais, ça va. On va procéder à... je vais vous demander une pièce d'identité, s'il vous plaît. Votre permis de conduire. Ouais. Ainsi que je vais procéder à une fouille. Hein. Ah, il y a du monde au mécano. Hein. Vas-y, t'arrêtes au feu. Au concesse. Garde-lui devant. Là. Il arrive un peu vite avec sa petite Porsche, là. Regarde-le. Ouais, on va le contrôler. Ouais, on va contrôler un peu le monde là. Garde-toi devant. Derrière. Là. Impeccable. Là. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir messieurs. On peut vous aider? Ah, ça va. Ah, ouais, écoutez, ça me va, mais. Faites flipper, hein. Ouais, vous inquiétez pas, c'était quelqu'un d'autre là. Ouais, vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on a mis les casques police pour pas trop. Ok. Mais allez-y. Ça reste toujours inquiétant. Monsieur, je vais demander du coup une pièce d'identité, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr, sans problème. S'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Lawson Jaded. C'est bien ça, ouais. Très bien. Pouvez-vous mettre contre le véhicule, s'il vous plaît? Je vais procéder à une petite fouille de votre sac, bien sûr, tout ça. Tout ça. Alors faites attention, il y a mon matériel, hein, ça coûte cher. Vous avez mon matériel, à... les caméras et tout ça. Vous avez rien à déclarer. Ouais, non, rien à déclarer. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Regardez le Twitter de la ville et vous très le savez. Très bien pour vous, monsieur. C'est gentil. Merci beaucoup de votre coopération. Merci, monsieur. Je peux procéder problème. À votre pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Bien, regardez sur Twitter, on est passé en alerte maximale, on fouille tout le monde, on contrôle les identités. Bah allez-y, fouillez-moi, monsieur, c'est parti, moi c'est fait. Tout à fait, oui. Voilà. Ok. Vous inquiétez pas, monsieur. Ah, pareil, comme votre ami, s'il vous plaît, vous pouvez vous retourner, vous mettre contre la voiture, je vais procéder à une petite fouille. Merci beaucoup. Voilà, monsieur. Levez les mains, s'il vous plaît. Alors ça, c'est ma voiture. Je lave les mains. Et ça, là-bas, c'est ma voiture aussi. Je suis pas pasteur, monsieur, je suis inoffensif. Ouais, tenez, ma carte d'identité, permis de conduire. Y a aucun problème, monsieur. Merci beaucoup, vous pouvez baisser les bras. Merci je vous beaucoup. En prie. Hein. Merci beaucoup, dites-moi, monsieur. Dites-moi, monsieur le policier, oui. Excusez-moi, un petit renseignement. Là. Je vous écoute. Pour avoir rendez-vous avec le gouvernement, par qui il faut passer, s'il vous plaît? Très bonne question. Je suis co-officier et là je ne sais pas. Essayez de prendre contact avec les LSPD, avec mes supérieurs. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. D'accord, monsieur, pas de problème. Voilà, après essayez de voir avec le site de la ville. Hein. D'accord, bah écoutez, voilà. Au plaisir de vous revoir dans ma collègue. Prochaine paroisse. Eh ben, y a pas de souci. Au plaisir, monsieur. Oui, 51. Faut que tu fouilles le monsieur, là. J'ai pas accès aux interactions du travail. Ok. Monsieur, pouvez-vous mettre contre le véhicule noir, s'il vous plaît? Ouais. Et lever les mains, ou le rouge, si vous voulez. J'ai accès à rien, je sais pas pourquoi, je vois rien.
mais c'est dégueulasse, monsieur, vous avez de la viande. Ouais, c'est faut que je la dépose. Faut c'est parce que je viens de faire les courses, en fait. Mais en fait, je viens de faire les courses, donc faut me laisser le temps de le mettre au frigo. Ah ouais, non, mais tranquille, je... Désolé. Y'a pas de soucis. Ah oui, bon, je viens de faire mes courses, je suis juste allé chercher ma nouvelle voiture, là. J'ai vu que vous avez un couteau, c'est quoi comme genre de couteau, monsieur? Bon, c'est un couteau que mon père et tout, parce qu'il a fait l'armée et tout, j'ai un couteau comme ça. Ça fait un bon moment que je l'ai, ouais. C'est légal, ça? Je m'en sers pour ouvrir les colis et tout ça. Attends, je vérifie. Je m'en sers pour ouvrir les colis et c'est tout, quoi. Quoi vous voulez que je m'en serve? Vous l'avez acheté où, ce couteau? Non, mais ça dépend le couteau. Bah, hein. Je vous ai dit, c'est un petit canif, c'est cool, mais si c'est un gros couteau de cuisine, pas trop le droit de trimballer avec. Donc, pour ouvrir les colis, franchement, je vous conseille fortement. Ouais, mais vous faites quoi? Ouais, mais vous faites quoi avec un couteau sur vous? C'est ça le. Mais il est toujours sur moi, j'ai toujours mon couteau, même. Enfin, j'ai toujours un couteau sur moi, c'est. Enfin, je sais pas pour. Vous avez le permis de transport, monsieur? Bah non, j'en ai pas besoin. Je vais regarder s'il a le permis. Parce que c'est légal que si vous avez le port d'armes. Comment ça c'est légal que si j'ai le port d'armes? C'est un couteau, c'est pas... Ouais mais monsieur, c'est une arme blanche, monsieur. J'ai eu confirmation du capitaine, c'est légal que si vous avez la licence. Mais c'est n'importe quoi. Du coup, je vais devoir vous le prendre, monsieur. Non, non, vous allez pas prendre le couteau de mon père. Non, c'est le couteau de mon père. Ah, monsieur, vous savez comment ça va se passer, monsieur? Ça va être très simple. On va vous amener au poste et puis vous allez régler ça avec la police. Non, il n'y a pas de vous amener au poste pour un couteau, là. Vous avez craqué ou quoi? C'est quoi votre délire? Écoute, c'est le couteau de mon père. Je vais pas vous donner le couteau de mon père. Faut arrêter de jouer au code rouge. Si vous voulez pas couper. Il n'y a pas de code rouge. J'ai un casier ou pas? Est-ce que j'ai déjà fait des délits? Est-ce que j'ai déjà buté quelqu'un? Non, vous me laissez parler. Calmez-vous. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que j'ai l'air d'avoir envie de tuer quelqu'un? Est-ce que j'ai l'air de faire du sale avec? J'ouvre mes colis avec, vous allez pas prendre le couteau de mon père, vous allez craquer. Très bien, restez ici, bougez pas. On verra ce qu'il en est. Faut arrêter les conneries, c'est pas comme si j'avais une arme à feu, là, faut arrêter. On est en décoff one, il doit nous donner ou sinon il... Putain, vous allez même si quelqu'un il a une batte de baseball, vous allez lui prendre aussi pendant que vous y êtes? Oui, nous sommes en Defun One. Donc, une batte de baseball? Oui, nous sommes en Defun One, monsieur. Monsieur, laissez parler, s'il vous plaît. Ça va être simple, monsieur. Si vous voulez, j'ai eu ordre du capitaine. Si vous refusez d'obtempérer, on vous embarque en cellule immédiatement. Je refuse d'obtempérer maintenant. Bon, bah, tu lui passes les menottes, tu lui lis ses droits, on l'embarque. Mets-moi mes menottes, vas-y. Je refuse d'obtempérer, j'en ai rien à foutre, vas-y. Donne pas mon couteau, vous avez craqué ou quoi? La vidéo, je donne pas mon couteau, c'est le couteau de mon temps. Allez, veuillez avancer s'il vous plaît vers le 4-4, s'il vous plaît, je vais vous donner ordre de monter quand. Ah, c'est vous qui devez m'avancer, c'est pas moi. Vous pouvez pas bouger là? Bah non. Tête de WAM, je donne pas mon couteau, j'en ai rien à foutre. Il se passe quoi là, monsieur? Ils veulent prendre le couteau. Mais pourquoi vous voulez le. Mais pourquoi vous l'embarquez là? Ce n'est pas coopératif, mais une arme. Mais c'est mon employé, vous êtes sérieux là? Il a un couteau. Il se passe quoi? Il a un couteau là. Il a un couteau, frère. Attends. Couteau. Wow. Complètement. Ah, Frangin. Voilà, tu vas le prendre parce qu'il a un couteau. Parce que j'ai un couteau, frère. Le couteau de mon frangin, voilà. Sérieux quoi? C'est des ouf, vas-y. Attends. Ah, c'est pas normal, les gars. Ah, j'ai rien fait. Descendez de là. Oui, va descendre. Arrête de craquer, va descendre. Il a pas mais fait. Mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Rentrez dedans. Ah. Écartez-vous, messieurs. Ouais, écartez-vous. Maintenant, y a rien. Ah, tu me prends pas pour un couteau, frère. T'es un ouf. C'est mal où je suis maintenant. Bien joué. Ouais, bah. Ça, c'est vraiment bien joué. Ah, mais c'est pire, monsieur. Vous êtes sérieux? Pour un couteau? Il aurait dit C4, je comprends. Écoutez, monsieur, on est en défait one, c'est ordre du capitaine. Toute personne vous qui, est... Là, ou... qui est en possession d'une arme, écartez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Oh putain! Un couteau, s'il te plaît. Oh, Franza. Un couteau, un couteau quoi. Le couteau de mon daron. Confirmez bien ou pas? 51, tu peux l'escorter ou pas du tout? Mets-le devant. Prenez même ma voiture pour m'escorter, faites comme vous voulez, moi je m'en fous. L'intention d'être violent, déjà vous me notez, ça n'a aucun sens. On m'aurait juste dit de venir sur le. On les avait en cellule encore. Moi je vais m'expliquer avec vos. Du coup, je leur envoie vos... en cellule. Ouais, vous le remettez en cellule. Hein. Vas-y, tu sais quoi, descends-moi, on va y aller à pied. Ah, démenote-moi, je vais monter tout seul. Montez tout seul. On est désolé, monsieur, mais c'est les ordres. Oui, mais démenotez-moi, je vais monter tout seul parce que là c'est la galère. Non. Voilà, nickel. Allez-y, montez. Faut qu'il y en ait un qui monte.
Vas-y, 51. Ah, mais non, faut que je monte. Attends. Ouais, mais voilà. Vas-y, monte devant, du coup, s'il te plaît. Non, non, non. Vas-y, allez-y. Vas-y, montez, montez, monte devant, monte devant. Moi, je monte après. Monte non, devant. Ça voudra pas. Montez. Non, faut que vous, d'abord, vous montez. Non, montez devant, monte, monte, devant. Monte, monte devant. Je ne peux pas monter devant. Je ne peux pas monter devant. C'est. Ah, oui, oui. Ah, ouais, c'est monte, chaud. Monte 17. Monte, monte. Voilà. Et moi, je monte là. Ah, non. Attends, j'ai du breakdance dans mes heures. Dans mes heures perdues. Vous voulez pas jouer avec ma voiture, je vais barrer, je suis coopératif, juste vous ne prenez pas mon couteau, je n'ai rien. Vous l'avez hagar, ça se fait hop. Attends, je fais un peu de breakdance là, j'aime bien la position comme ça. Prenez une photo les amis, s'il vous plaît. Ah là là, pas trop sérieux. Ils m'ont pas lâché, non, faut que je monte, mais. Ah ah. Eh, je peux pas monter, bordel de con. Vous l'embarquez pas, monsieur. Attends, monte devant, ouais. Monte devant. Ah, bon, ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Elle est possédée, la voiture. Ouais, elle est possédée, elle est possédée. Appelez des unités ou je ne sais quoi. Je vais appeler du renfort. Vas-y, appelle, ouais, s'il te plaît, une voiture de patrouille, là, parce que... Squad team, retour en ville. Attendez, bougez pas, monsieur, je vais prendre votre pièce d'identité. Remonotez-moi, allez-y. Il a failli le mettre la matraque dans le. Ça va, monsieur, vous êtes mal noté. C'est content, pas utilisé pour tellement. J'ouvre des colis avec le couteau. J'ouvre les colis avec le couteau. Avec mon couteau, j'ouvre des colis. Des colis. Monsieur des colis, le couteau de mon père. Y'a pas de soucis, monsieur, c'est juste. C'est la procédure, monsieur. Vous allez voir avec le couteau. Ils veulent prendre le couteau. Si on doit le prendre, je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais le couteau de mon père. Je vais rester là. Je resterai jusqu'à la fin de mes jours dans vos cellules. Vous prendrez pas le couteau de mon père. Tu peux le surveiller, s'il te plaît. Je vais procéder à une petite fouille à tout le monde là. Monsieur! Je vais vous demander une pièce d'identité, s'il vous plaît. Ah bah ça va, c'est pas la belle affaire. Ah, fouille ou quoi? Il était sorti derrière. Rigole, tire pas là. Ah ouais, ça va. Ça faille partir, tu le sais pas. Ah, c'est pas un problème, fouiller ma carte d'identité dans ma poche. Mais... Regardez, et j'ai rien sur. Ah, mais vous marquez pas pour des humains, là, ça s'achète sans permis de port d'armes, hein, je vous dis tout de suite, hein. C'est quoi les pilules que vous avez là? Bah, c'est pour les maux de tête quand je bois de l'alcool et tout ça quoi. C'est pour me calmer, on va dire, mes maux de tête. Après, on va dire une cuite. 51 à la radio là, des pilules, qu'est-ce que c'est? Monsieur, qu'est-ce que vous faites pour. Ça a été fourni par. Monsieur a des par pilules. Les médecins. Mais c'est quoi, monsieur, comme pilule que vous avez? Juste pour un couteau de poche. Ah, c'est votre médecin, il m'a fourni ses pilules, c'était pour les maux de tête contre, on va dire, l'abus d'alcool. C'est bon, vous pouvez baisser les bras. Hein. Des pilules pour l'abus d'alcool. Qu'est-ce que vous me ragouinez là, monsieur? Bah, demandez à vos collègues, hein, c'est. C'est des pilules, monsieur, pour soigner les maux de tête. C'est ça, c'est pour les maux de tête, c'est des médicaments, quoi. Ah, c'est véridique, vous pouvez revérifier aux EMS, hein, monsieur. Ouais, c'est médecin. Comme ça, là. Bah, voilà. Attendez, bougez pas, je vais reprendre votre pièce d'identité. Ouais, pas de soucis. Ok, très bien, c'est bon, je l'ai reposé dans votre poche. Ok, merci, monsieur. Ah, bah, tu sais. Pas avec, mais vous ne le prenez pas, il n'y a pas de ça. Ah, franchement, c'est vrai qu'ils ont. Ok, écoutez, monsieur, moi je comprends, mais écoutez, vous avez peur de quoi exactement? Ouais. De ne pas le retrouver? Là, c'est moi, je suis juste devant vous là. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr, j'ai peur de ne pas le retrouver parce que c'est une valeur sentimentale. C'est surtout mon père. Arrêtez de dire de la merde. Le truc, c'est quoi? C'est que, ok, d'accord, j'ai un couteau de cuisine. Enfin, c'est un couteau de cuisine, et encore, c'est pas un couteau de cuisine, hein. C'est j'ouvre des colis avec. Des colis de chaussures, des colis de trucs pour ma voiture ou quoi. Ça n'a aucun sens. Vous me prenez mon couteau. Si vous voulez, je le dépose chez moi. Je ne le sors plus. Vous ne prenez pas mon couteau. Faut arrêter vos délires. Dans ce cas, maintenant, si on n'a pas le PP, on peut plus avoir de couteau chez soi. On peut plus avoir de couteau pour couper la viande. Actuellement, monsieur, on est en DEFCON 1. Bah, ok, chez vous, monsieur, vous avez rien à faire. Bah voilà. Je le dépose. D'accord, je le dépose monsieur, chez moi. Couper la vous ne prenez pas le couteau de mon père. Non, bah, vous ne prenez pas le couteau de mon père. Je le dépose chez moi. Monsieur, écoutez, là aujourd'hui, mes collègues, on voit que vous avez un couteau dehors encore. Okay. Monsieur, quand vous êtes chez vous pour couper la viande et tout, je comprends. Mais là, monsieur, vous êtes dehors. Mais je l'ai avec moi parce que, comme j'ai dit, j'ouvre des colis avec. Vous croyez que j'ouvre des crânes avec ou quoi?
Donc vous des non mais monsieur, vous ouvrez des colis chez vous. Ça n'a aucun sens. Je vais au bureau. Non mais écoutez, je vais au bureau de poste. Je vais au bureau de poste, je vais récupérer. Ah, salut Dylan, ça va ou quoi? Je sais pas comment je fais. On n'a pas le droit d'avoir un couteau de poche. J'ai un couteau. Vous allez fouiller chez moi. Vous allez fouiller tous les habitants de la ville. Sans permis, non, c'est interdit. Mais Dylan, sans permis, n'importe quoi. Mais Defcon 1, ben voilà, vous m'accompagnez chez moi. Je dépose. Non, il y a pas de ça, Je le dépose chez moi. Rien à foutre. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de prendre un objet qui a une valeur sentimentale pour moi, alors que je n'ai pas le casier et que je n'ai pas fait de délit. Ouvrez votre cerveau. Ouvrez votre cerveau. Réfléchissez, c'est tout. Monsieur, écoutez, moi j'ai deux possibilités. Soit on oublie tout là, ici, maintenant, à cet instant. Vous coopérez, on vous prend le couteau et on verra éventuellement pour vous le redonner. Ou soit on le prendra de la manière forte. Mais par contre, monsieur, c'est vous qui allez perdre, parce que du coup, dans votre casier, il y aura que vous avez refusé de coopérer. Et ça, monsieur, pour trouver du travail, je vous souhaite bonne chance. Bah, j'ai déjà vous avez le choix. Donc, bon courage. Et ils auront vu pourquoi je me suis fait arrêter et pourquoi j'ai pas coopéré. Ils auront tous vu. Donc, en quelle année ils vont me virer parce que vous m'avez. Parce que j'avais un couteau. Monsieur, un couteau on a. Monsieur, c'est simple. On est en Defcon 1, tu crois que je vais buter monsieur, quelqu'un monsieur, on est en état d'alerte. De toute façon, monsieur, en Defcon 1, la loi vous interdit d'avoir un couteau si vous n'avez pas le permis de port d'armes. Allez, mettez-vous contre le. Aucun sens. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Vous tournez, vous mettez les mains en évidence, c'est mon couteau, c'est le couteau de mon père. Monsieur, mettez-vous contre le 4-4, là, je vais perdre. Vous n'allez pas le prendre le couteau de mon père, c'est tout. Vous n'avez pas compris. Franchement, vous n'avez pas mieux à faire que prendre un couteau comme ça. Est-ce que vous le mec armé? Attendez. Quel PPA ici? Hop, je suis PPA ici. Arrêtez. Quel PPA ici? Que je lui donne mon couteau, comme ça il va le prendre. Bah, il va le prendre. Bah, si, parce qu'il faut un PPA. Il va le prendre et maintenant, puis voilà. Maintenant, je prends votre couteau. Vous avez rien d'autre dangereux déclaré sur vous. Non, je mais prends tout ça pour un petit couteau. Ouais, là, ça. Fais-le. Franchement, c'est qu'un couteau. Monsieur, s'il vous plaît, un petit couteau. C'est un couteau, monsieur. S'il vous plaît, vous pouvez circuler. S'il vous plaît, y'a rien à voir. Veuillez circuler. Ouais, circuler, monsieur. Allez, hop, ça dégage. Allez, monsieur. Allez, hop, ça dégage. Par contre. Par le manque de respect, faut pas abuser. Par contre, quoi? Ça dégage, merci. Le manque de respect, faut ça pas. Ça dégage, abuser. Merci. On est des citoyens comme ça tout le monde. Dégage, monsieur, dégage. Veuillez circuler, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, monsieur, vous voulez faire quoi? Dites-moi une cellule ou quoi? Veuillez circuler, s'il vous plaît. Non, remarquez-moi, ça dégage. C'est comme ça. C'est toi comme tout le monde qui est pas de respect. Moi, j'ai pas dit ça dégage, j'ai dit circuler, s'il vous plaît, monsieur. Faut que je raconte l'histoire, viens vite, vite. Ouais. J'arrive à prochain pour les nouveaux épisodes. Vite. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, sur le côté, s'il vous plaît. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît, là, derrière l'insurgent, là. Il est sérieux, lui? Monsieur? Attends, deux secondes, je vais faire. Monsieur, ah, vous... Ah, il n'y a pas d'attente deux secondes, monsieur. Garez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Non, pas vous, attendez. Oui, je me gare. Vas-y, je te laisse t'en charger parce que j'ai des problèmes de... Ouais, 10-4. Messieurs, bonsoir. Mettez-vous sur le... juste sur le trottoir, s'il vous plaît. Venez avec moi. Pas de soucis. Vous allez bien? Oui, vous. Ouais, ça va très bien. Du coup, vous avez grillé un feu rouge, vous avez vu ou pas? J'ai grillé un feu rouge. Vous avez grillé un feu rouge, monsieur. Hein. Je vais rien dire pour cette fois, mais faites très attention la prochaine fois. On descend. Il y a un deuxième appel, on fait quoi? Vas-y, on le prend celui-là. On prend le dernier appel. On est en train d'aller sur place. Second appel. Bah, c'est mieux. Ah bah non, c'est bon, ils prennent. C'est bon, ils prennent. Vas-y, monsieur. Oui, monsieur, c'est vous qui avez appelé? Non. Je viens d'arriver, moi. Bah, on a eu. Bah, attendez, je vais juste mon téléphone. On a eu un appel pour. On vient de se faire braquer vite. Non, pas ici. Non. Bah, c'est pas vous? Non. Ah non, pas du tout, monsieur. Bon, écoutez, veuillez nous excuser alors. Oh, y'a pas de mal, y'a pas de mal. Problème. Non, les gars, on repart. Faites attention à vous. Hein. Oui. Ah, là, vous inquiétez pas, monsieur. Bonne soirée, monsieur. On va aller rejoindre les autres sur l'appel.
Putain, j'ai eu peur, putain, je pensais que c'était genre, ouais, alerte, agent X, alerte. Oh putain. Ouais, j'y pensais aussi. Ah, t'avais envie de tirer, je suis en train de prendre. Arriver sur place. Y'a un hélicoptère, les gars. Y'a un hélicoptère. Afi. Capitaine, autorisation dans le feu sur le. Afi, y'a un hélicoptère. Faut rentrer, rentre dans la prison, rentre dans la prison. Hélicoptère, tu me le laisses. Je le veux en vue, je le veux. Je les veux morts. Il est en train d'atterrir, il y a un véhicule à l'intérieur aussi. Bah dites-le en radio les gars, moi je peux pas conduire en même temps. Un véhicule à l'intérieur de la prison, apparemment la prison est ouverte. Y'a quoi, y'a un véhicule à l'intérieur, c'est ça? Y'a un véhicule à l'intérieur et un hélicoptère qui vient de se poser à l'intérieur au niveau de la coupe. Les portes de la prison étaient ouvertes. C'est normal, y'en a qui sont là. Pas trop par là. Et puis si je dirige. On fera un contresens, on fera un contresens. C'est le collègue ça devant ou non? C'est le collègue ça. On a les véhicules. Tirez dessus. Vous attendez quoi pour tirer? Autorisation d'ouvrir le feu? Oui. Affirmatif. Affirmatif, vous l'avez. Il reste sur les gens. Homme à la mitrailleuse. Homme sur la mitrailleuse. L'autre. Tire sur celui qui est devant. Il a qui est devant. L'hélico.